Ça va? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pokéax pour un nouvel épisode de Pokémon Rook Soul Saver, l'épisode 11. J'aurais pas dû me regarder dans le retour parce que alors là, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens ce qui se passe ici. J'espère que vous allez bien, me posez pas de questions. Aujourd'hui, on continue le jeu. Nous avons Palkia dans la team. Je pense que concrètement, nous sommes inarrêtables, hein, évidemment. Ce Pokémon est modeste. Il a des moves de qualité comme ceci. On va baisser le son parce que sinon, vous allez l'entendre en double. Ça va être chelou. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai remonté mon siège parce qu'il est descendu tout seul. Forcément, j'ai sauté dessus. Il descend tout seul, ce connard de siège. Bon, vous savez, la vie, c'est simple, mais en même temps, c'est triste. Du coup, bon, vous avez bien vu la supercherie, et bon, pour ça, je vais être honnête avec vous. Je vais enlever mes lunettes. C'est vraiment ridicule comme ça, quand même, non? Bref, Pompote, non, c'est pas sauvegardé. Casse-toi, s'il te plaît. Pompote, malheureusement, va nous quitter. Vous savez sûrement pourquoi. Pourquoi, c'est simple, si vous n'avez pas compris. C'est parce que il se pourrait que dans l'épisode précédent, j'ai tiré au sort le numéro 9, mais que j'ai recommencé parce que je suis un tricheur. Mais c'était une blague, hein, bien évidemment. Dans ma première réflexion, je me suis dit que il ne fallait pas tricher. Non, on va virer Pompot. C'était juste le seum qui parlait. Et on va reprendre Anaïs. Parce que Anaïs, tu ne peux pas nous quitter comme ça, c'est impossible. Voilà, alors du coup, Pompot nous a quitté, mais, je mets un mais, à chaque arène, nous débloquons un event. Or, évidemment, vous savez qu'il y a 6 badges, 6 parce que les deux premiers n'ont pas compté. Donc ça veut dire 6 événements, or il n'y a pas 6 événements dans le jeu, 6 événements de ce type. Et d'ailleurs le prochain, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est, j'y ai pas réfléchi parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le sujet. Donc, vu qu'il n'y aura pas assez d'événements, je pense que je trouverai une autre solution après quand il n'y en aura plus. Et peut-être qu'on pourra récupérer Pompot ou un autre Pokémon qui est déjà mort, on verra. Ça, j'aimerais que mon siège arrête de tomber parce que ça me branle. Bref, en tout cas avec ce swag incroyable aujourd'hui, on va Dracolos Ultra Laser, voilà. On va faire cet endroit qui est un repère de Team Rocket et on va clairement les défoncer. Hein, parce qu'on n'a pas le Kia modeste, donc là je vous avoue qu'on peut pas perdre. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas tricher. C'est parce que Pompot, concrètement, il est fort. Effectivement, il était très fort et je suis vraiment déçu parce qu'on n'a pas du tout pu l'exploiter au final. Mais, il faut être honnête, on a joué, on a attrapé, déjà que la capture de Deoxys c'était quand même un petit peu, voilà quoi, je l'ai eu honnêtement, j'ai pas triché, j'ai pas mis de code ou quoi, mais bon, j'ai considéré que je m'autorisais de perdre mes Pokémon, j'ai utilisé Pichu pour l'affaiblir entre autres, mais bon ça c'est un détail, donc voilà, je me suis dit, c'est logique, je prends un Palkia modeste, je peux quand même poser Pompot qui était quand même le Pokémon le plus fort de ma team, tout est équilibré, c'est normal, allez. On va faire cette zone, on va se caler en 1.25, je vous avoue, et peut-être que je monterai de temps en temps parce que ça va être très long, il y a beaucoup de dresseurs dans cette zone. Donc voilà. Alors Pompot est mort, on va arrêter de parler lui. Stephen, niveau 34, je l'ai mis au niveau de Roselia parce que de base c'était Roselia qui était mort, mais du coup c'est pas lui. Non, en vrai je l'ai mis un peu moins fort que les autres parce que c'est Palkia, qui n'a pas besoin d'être aussi fort. Et il a appris des moves assez énervés, hein, disons-le. Entre autres, Vibre Obscur, ce qui est plutôt marrant, hein, moi je trouve ça marrant. Donc bah écoutez, voilà. Ça fait très bizarre les lunettes, j'ai l'impression de... Je vois que dalle, hein, littéralement je vois que dalle. C'est vraiment incroyable, je vois rien du tout. je vois tout en jaune aussi, ça c'est logique. Cage éclair, merde, je voulais pas faire ça. J'ai vu une attaque électrique, je me suis dit, bof. Je voulais faire méga fouet, bordel. Bon allez, Octillerie paralysée, il fait adaptation. Oh non, il va changer de type, le con. Prends le type poison, mais quel bâtard. Mais putain, mais quel enfoiré. Ma Aéroblast, dans ta gueule, en fait. Anaïs a donc droit à une deuxième vie. Bah non, parce qu'en fait, Anaïs n'est pas du tout morte. Anaïs ne mourra jamais. Que les choses soient claires, Anaïs ne mourra jamais. Voilà. On va trouver une pierre éclair, on la fera évoluer un jour, et elle aura un talent de malade mental, ce qui fait qu'elle deviendra mais le meilleur Pokémon de notre team. Elle aura Coloforce, vous voyez, entre autres. Bah écoutez, on va spammer les Aéroblast. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je me cale, hein, parce que, voilà... Ah, je suis posé, là.
Coup critique. Oh là là, la puissance, mais la puissance du Pokémon. Ça rend fou ce qui se passe. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, j'ai un Palkia dans ma team, je suis posé. Je vous dis ça, mais je tourne juste après l'épisode de la semaine dernière, donc finalement. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a deux par truc à chaque fois, ça va être infernal. Ce qui est marrant, c'est que là vous êtes en train de me voir tomber progressivement, je crois, hein, littéralement. Bon, c'est assez drôle finalement à voir, je pense. Riolu, bon, on va l'éclater, Riolu. Allez, surf. Bon, ça va être un peu du combat en mode je spam mes attaques dans tous les sens là, parce que alors, vraiment ça n'a aucun sens. De toute façon, je détruis absolument tout avec Palkia, donc. Et avec d'ailleurs n'importe quel Pokémon dans ma team. Parce que là, finalement, c'est assez simple ce qui se passe pour l'instant. Je pense. Je sais pas trop comment on va évoluer le truc. Comment ça va avancer. Je sais pas si on va faire autre chose que la zone. Parce qu'en vrai, je vous avoue que ça avance. Enfin, ça m'a l'air. Je pense que ça va avancer assez vite quand même. Rapion. Rapion. Viens là, Rapion. T'éclater en fait. Palkia, il arrive, il fait des surfs et ça va aller vite. Hein. Il y a peut-être moyen qu'on fasse l'arène aujourd'hui. Hein. Je vous promets rien, mais. Ce n'est pas impossible, parce que franchement, ça va aller vite. On va peut-être se caler à 1.5, parce que 1.25, ça va être un peu tendu. Ça va être un peu lent, quand même. Parce que vraiment, on a deux dresseurs à chaque statue, et il y a beaucoup de statues, donc voilà. Attendez, c'est une zone aussi, ici. Oui, c'est une zone, parce que regardez, là, en dessous, là, on va avoir une zone avec, normalement, des Voltorb. Ce qui fait que dans trois dresseurs, on va pouvoir faire une zone, ce qui va être assez incroyable. Intrus, plus un geste. Attendez, le mec, il a un bonnet, des lunettes et une écharpe. Moi, je suis là au calme, quoi. ODD, comme disent les jeunes. ODD. Allez, surf! En plus, ils ont tous les mêmes Pokémon. Ils ont tous des Topikers et des. Je sais pas quoi. D'ailleurs, on est dans un random, mais ils ont quand même tous les mêmes Pokémon. Allez chercher à comprendre ce qui se passe ici. Éclatez votre gueule. Voilà, Octillerie. Octillerie et Topiker partout. Anaïs, viens là, s'il te plaît. Viens éclater la tronche de ce Pokémon. Dans ce coup-là, on va pas se faire avoir. On va faire un gros méga fouet. On va l'éclater. Voilà, méga fouet. Rack! One shot, Octillerie. Bah oui, évidemment. Coup critique. Mais Anaïs fait tellement de coups critiques, mais c'est vraiment la meilleure de toutes. C'est vraiment, voilà, c'est la main. Pompote, mais Pompote, c'était trop facile, en fait. C'est pour ça que je l'ai enlevé, c'était beaucoup trop facile de jouer avec Pompote, en fait. On était obligé de se débarrasser de Pompote, vous voyez, à un moment donné. Non, mais vous savez, il reviendra, vous inquiétez pas. On trouvera un truc, on trichera d'une autre manière. On fera revenir Pompote parmi nous. Le pauvre n'a pas dit tout ce qu'il avait à dire. On fera un truc. Quoi qu'il arrive, on verra, parce que je vous rappelle que ce jeu est en deux parties. Il y a 16 arènes. Et je pense que la deuxième partie, on va faire une sorte de reboot où on va genre repiocher aléatoirement les Pokémon. Mais bon, ça, enfin 6 Pokémon pour que ce soit plus drôle. Enfin bon, je vous dirai ça. On verra déjà si on arrive à gagner la ligue convenablement. On verra déjà comment ça se passe et comment la série évolue. On n'en est pas là, hein, je vous rassure. On est à l'épisode 11 et à mon avis, ça sera pas avant l'épisode 20 la suite parce que le jeu est assez long. Hein. Le jeu est quand même tout de même assez long. Donc, il va y avoir pas mal d'épisodes. Surtout qu'on va essayer de faire des épisodes pas trop longs. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais peut-être faire l'arène aujourd'hui, parce qu'en vrai, sinon ça va faire des épisodes de ouf. Peut-être que je taillerai un peu des moments, parce que là, on va sûrement se faire chier au bout d'un moment, tellement il y a des combats ici. Bon, alors là, on affronte cette personne, et juste après, on a une petite zone. Alors lui, il a peut-être des Pokémon un peu différents. Des explosifs partout! Oh non! Mais c'est affreux! Putain! Aïe! Je me suis éclaté le coup. C'est vraiment Palkia, bonjour, spammer, surf, au revoir. C'est un peu monotone, cette vie de Palkia, un peu. Ratatac! Mais c'est pas grave, vous savez, c'est pas grave. Voilà, excusez-moi, oula, qu'est-ce qui lui arrive? Surf! Je suis bientôt plus rare de surf, ça va être un peu triste ce qui va se passer. Mais c'est pas grave, on va bien trouver un truc, un lit ou un machin pour se soigner, parce qu'à un moment donné, vous savez, ça va être compliqué. Faites pas les fous, hein, je vous vois. Je surveille mon écran, parce que si jamais il y a une mouche qui passe, je vous préviens, je la goume. C'est toujours d'actualité ça, si je vois une mouche, je la goume. Non, je veux pas switcher, qui c'est? Arakdo, sinon je vais éclater. Regardez ça, regardez Palkia, vibre obscur. Allez, au revoir. Merci d'être passé, Arakdo. Ce Palkia est vraiment beaucoup trop fort. Stephen, quoi. Incroyable ce Pokémon. Miss Dibule. Theory Force, ridicule. Ridicule. Niveau 24. J'aurais même pu le mettre niveau 25, le Palkia, il serait en train de déblater la team. C'est-à-dire que je me suis entraîné, alors le Palkia, je l'ai fait monter quelques niveaux, contre des Pokémon sauvages pour qu'il gagne un peu des EV, mais pas trop non plus, parce que déjà c'était long. Et puis parce que de toute façon j'avais pas l'objet pour lui monter son attaque spé, donc vous savez quoi. Puis après c'était un peu fort. Bon, vous êtes prêts? C'est un Pokémon de zone que nous allons affronter, donc écoutez, on va quand même se caler à 1. Est-ce que c'est random ou pas? Est-ce que c'est Voltorb? Ah oui, c'est Voltorb. Bon bah écoutez, on a pas trop le choix, hein. On va l'attraper. C'est un Pokémon de zone un peu nul, mais en plus on a déjà vu Voltorb. On l'a pas attrapé parce qu'on l'a tué, mais donc ça n'a rien à voir. Mais
Mais bon, Voltorb, voilà quoi. Ouais, bah on va le prendre. Hein. Ou au pire, on triche, on le prend et on ressuscite un Pokémon. Oh, venez, on fait ça. Aéroblast Voltorb. Bon, on verra, vous savez quoi, on va voir ce qu'il sait faire ce Voltorb déjà, parce que bon, voilà. Ouais, c'est chiant, les Pokémon comme ça, ils sont pas random. Bon, alors attendez, parce que on va quand même... on va galérer, là. Est-ce qu'il rentre? Ouais, c'est bon. Bon, on va l'attraper, on verra ce qu'il vaut. Est-ce qu'il est dans la team? Oui, je crois qu'il est dans la team, parce que je crois pas avoir 6 Pokémon sur moi. Donner un surnom. Oui, on va lui donner un surnom dans le doute, si on le garde. On va l'appeler... Comment on l'appelle? Voltorb. On va l'appeler... Swag. C'est en référence à cette vidéo. Non, Swag, pas Swack. C'est de chien. Swag. Alors, Swag. Il a un objet déjà, c'est une CT. Non, c'est un aimant. Très bien. Il est discret. C'est pas dégueu. Il a œil composé. Alors, franchement, c'est pas nul parce que... Si, ouais, le problème c'est que... En vrai, s'il avait... Déjà, ça veut dire que, regardez, il peut pas rater cette attaque. S'il la prend Fatal Foudre, il pourra quasiment pas rater. En plus, il est plus attaque spé, moins vitesse, mais il est déjà très rapide. Donc en fait, c'est comme s'il est... Enfin, même s'il se sort bien, ce qu'il soit modeste, en fait, quasiment. En vrai, c'est pas mal. Vous savez quoi? On va pas tricher, donc on va le garder. On va garder ce Pokémon sur nous. On aura Voltorb, enfin, sur nous. On le mettra dans le PC et on le gardera en backup, hein, évidemment. Est-ce qu'il faut aller par... Il faut aller par où? Ah, là-bas, il y a un objet, donc on va aller le chercher, quand même. On va devoir affronter ce scientifique. Un interrupteur caché. Une diode. La clignote de façon... Pouvez-vous l'actionner? Ouais. Ça fait quoi? Oh, je crois que ça... Ah, trop bien. Je savais même pas qu'on faisait ça. C'est-à-dire que je me ferais plus détecter. Bah, vous savez quoi? C'est tant mieux. Comme ça, ça nous fera moins de combats. Rosabis. Ah ouais, rigole zéro, lui. Bah, écoutez, Vibre Obscur. Il a détection. Oh, il est chiant. Il est à peine chiant, ce Pokémon, là. Rosabis, là. C'est quoi, ça? Allez, Vibre Obscur. Meurs. Il va tanker, par contre, je pense. Allez, quand même. Frappe Atlas. Et on va le finir avec Vent Mauvais. Ah, t'es sûr qu'il allait faire détection. Allez, là, pas le gamin. Vent Mauvais dans ta maman. On va se, vous allez voir, je vais me booster dans toutes mes stats. Là, il va moins faire le malin. Alors, j'ai inconscient, hein, je rappelle, sur ce Pokémon. Je me rappelle plus trop les effets que ça a dans cette génération. Déjà, par que si les Pokémon d'en face se boostent, bah, je m'en fous. Donc ça, c'est bien. Et, mais je sais pas si par rapport à moi, comment ça marche. J'ai toujours, toujours un doute avec ce move, comment il marche. Il y avait eu une modification en 6ème génération, je crois, de ce move. Il avait un peu nerf, mais je me rappelle plus ce que ça faisait exactement. C'est quoi? Je ne sais plus. Tyranocif. Ah ouais, énervé. Pas le cas contre Tyranocif. On commence à avoir des combats un peu sympas. Hein. Mais en même temps, ils sont niveau 30. Hein, donc les Pokémon, on peut plus tomber sur Aspico, quoi. Donc en face de nous. Donc c'est bien. Contre les dresseurs, évidemment, je parle. Ça, c'est cool. J'ai... Bon, pas qui était activé. Ce n'est pas normal. J'ai battu Pansy. Vraiment génial. Alors, quel est cet objet? Une écaille cœur. Oh, ça, c'est bien. Ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Parce que quand on arrivera à... Je crois que c'est à Ebenel. On pourra éventuellement réapprendre des attaques à nos Pokémon. Non, franchement, les Kikers, c'est cool. La boule fumée. Oh, attendez, c'est quoi boule fumée? Ah non, je confonds avec boule noire. C'est quoi ça? Permet de s'enfuir face à un Pokémon sauvage. Ouais, c'est pas terrible. Attendez, est-ce que j'ai des objets qui peuvent me servir là-dedans? Oui, parce que... sachez que Palkia, parce qu'on en a pas parlé, mais il a l'orbe perlé aussi. Hein. À peine fort. Hein. Franchement, ce Pokémon, franchement, est un peu nul. Hein. On va pas se mentir, c'est pas terrible. Bon allez, on avance. Bah du coup c'est bien, on esquive tous les dresseurs parce qu'on a absolument aucun respect. Encore la boule fumée, mais d'accord, mais c'est quoi ce jeu en fait? Bah je vais les vendre, hein, c'est pas grave. Il y a un téléporteur ici. Dans le doute, je vais pas le prendre parce que j'ai l'impression que ça... Je pense que ça va me ramener avant. Voilà, pété. Tu vas bien? Ton équipe de Pokémon te semble très fatiguée. Tiens, partageons ces médicaments. Merci, c'est très sympa. Allez Dorian, battons-nous pour les Pokémon. Ouais. On en a rien à foutre. Ah merde. Bon, c'est pas grave, on va affronter cet homme. Espèce de sale peste! Il est violent, il dit, tu vas te calmer, toi. En fait, moi, je m'appelle Dylan. T'as cru que je m'appelais Dylan, en fait? Non, t'es qui, en fait, toi? Pingoléon, mais casse-toi avec ton Pingoléon, la Telluriforce, je vais t'éclater ta grosse maman. Toi, ta maman. Bim! On va essayer de se calmer aussi sur le vocabulaire, rien ne va plus. On va essayer aussi de ne pas utiliser que Palkia dans cette vidéo, parce que si long, je pense que ça va être un peu vraiment long. We'll be right back.
Alors, je crois que elle nous donne un mot de passe. Si je connais le mot de passe, peut-être, mais je le donne pas aux moucherons. Ça parle de mouches ici. C'est louche ce qui se passe. Tyrannosif. Vous pensez comme moi, hein. C'est louche. On va l'éclater. Surf. Surf. Surveille si je vois des mouches. Je préfère être méfiant. On va mettre un peu Celebi. Celebi. Mew. Celebi. Enfin, vous avez compris, quoi. Entre nous, c'est enfer. Des enfers. Métro. Ouf. Rafale Psy, mais parfait. Mais regardez, mais j'avais calculé, en fait, qu'il ferait ça, vous voyez. Voilà, j'avais tout calculé. Vous savez quoi? I'm Darn. Mr. Darn. Yeah. Il n'y avait pas là une CT de type dragon dans le centre truc. J'ai l'impression dans ma tête d'avoir déjà vu la CT Draco Météor, mais. Oh, je viens de penser à un truc. Imaginez, Palkia peut apprendre éruption. Faut qu'on teste. Oh, faut qu'on teste. Vous savez qu'il y a la CT éruption. Encore la plaque fantôme, c'est incroyable. La fuite jaune. D'accord. Du coup, il nous a donné un mot de passe. Le mot de passe est que ratant. D'accord. Bon bah du coup on peut passer, je crois. Je crois qu'on a tous les mots de passe, donc on peut y aller, faut monter. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, y'a trop Mimi. Eh bien, aujourd'hui, c'est ici que je me retrouve, que je tue. Tu aimes tant que ça cette team enquête? Bah je m'en fiche, ça m'intrigue moi, c'est ce dracologue au manteau. C'est qui? Ces Pokémon ont écrasé même les miens. Je me fiche d'avoir perdu. Je devrais capturer les meilleurs pour prendre ma revanche sur lui. Non, ce que je n'aime pas, c'est ce qu'il m'a dit. Comme quoi, j'étais pas assez. Je n'avais pas assez d'amour ou de considération pour mes Pokémon. Ça m'énerve. Penser que j'ai perdu contre un molasson. De toute façon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Si, branle, l'autre il me pousse. Tu veux quoi en fait? Tu veux quoi en fait? Je crois que je m'appelle Dylan. Alors, c'est lui qui a une tête à s'appeler Dylan. J'aurais dû l'appeler Dylan. Aimant. Eh, mais j'ai 1000 fois le même objet, je vous jure, je vais faire une radia sur les ventes là après. Tapez 2 mots de passe, la porte s'ouvre. Non! Y'a quelqu'un. Oh, y'a un cornet. Ça fait peur. Hihihihi. Enfin, c'est donc toi Dorian. Quoi? Tu ne sais pas qui je suis? Je suis Giovanni, le maître de la team Rocket. Ha 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 ha! Hein? Comment ça, je ne lui ressemble pas? Arg! Je me suis entraîné pour l'imiter! Eh non, je suis lambda, je suis un mec lambda, quoi. T'as vu, je suis le mec de Team Rocket. Hé hé, nihaha, mais ça ne se passera pas comme ça, dans un endroit. Tu es protégé par une séance spéciale, le mot de passe est vive Giovanni. Ah, ça te surprend que je te révèle aussi facilement. Mais je me fiche que tu le connais ce mot de passe, parce que tu ne pourras pas l'ouvrir à la porte, parce que je vais te battre. Ouais, bah bien sûr. Anne. Ah bah ouais, bah bravo. Un combat lancé par Designer Anne. Il a Fionn. J'ai pas compris. Bah écoutez, vibre obscur. Après, on va changer de Pokémon en premier, parce que là, ça commence à être chiant. Imitation. Il a copié inconscient, ça va. Il a pas copié un talent genre Coloforce. Là, ça aurait été vraiment flippant. Allez, Stéphane, niveau 37. Est-ce qu'il a pris une attaque? Il a pris des attaques à des niveaux chelous. Ouais, Détricanon. Détricanon. Détricanon, est-ce que c'est fort? Bah, franchement, vu ce que j'ai, je crois pas. Hein. Est-ce qu'on peut voir? Non, on peut pas voir les stats, là. Je peux pas voir mes stats. C'est quoi? On va pas lui mettre... Pardon. Excusez-moi. Ouais, on va pas mettre des trucs canons. C'est pas ouf. Florizarre, on va s'empresser de switcher sur Celebis. Et on va éclater ce Florizarre. D'ailleurs, je viens de penser qu'on a un Florizarre nous aussi et qu'on n'est même pas allé voir ce qu'il faisait. Je crois que j'avais vu vite fait en allant à un moment. Il a surchauffe. Putain, il a surchauffe. Et attendez, c'est intéressant ça. On rappelle qu'on a un Florizarre, nous. Ah merde, par contre, ouais. Du coup, il va me faire surchauffe. Oh, ça va se faire rien. Oui, du coup, je crois que j'avais vu dans l'épisode dernier, au moment où... Enfin, à un moment où j'avais cut pour aller d'un point à un autre, il me semble que j'avais vu qu'il était pas terrible. Hein. Je crois que de mémoire, il a pied confus. Vous savez quoi, on vérifiera ça. Mais d'accord, mais en fait, il a tous les starters que j'ai attrapés. Mais c'est quoi, cette histoire? Bah, écoute, l'histoire, c'est que t'es mort.
Ouais, du coup, Florissa, voilà, il a pied confus et je crois qu'il avait pas une nature de ouf. Aéroblast. Mais calmez-vous, en fait. Calmez-vous, je vous en prie. Miou, oula. Doucement. On va pas, voilà, on va faire psycho, on va arrêter les folies, là, parce que après je rate mes attaques et c'est dangereux. Voilà, Miou niveau 37, parfait, comme Palkia. Ça me semble bien. On va mettre un peu Anaïs en premier, parce que... histoire de l'entraîner un peu, parce qu'elle est plus bas niveau que les autres. Bon, j'ai un peu éclaté, le mec. Notre maître Giovanni a dissous la Team Rocket il y a 3 ans avant de disparaître. Mais je suis sûr qu'il attend le moment opportun pour revenir. Nihaha ! Je me fiche d'avoir perdu contre toi. Tu ne pourras jamais ouvrir la porte de l'émetteur sans ma voix, de toute façon. C'est vraiment incroyable. Oui, oui, allez. Oh là, attention. Vive Giovanni ! Le cornèbre imite parfaitement la voix de Lambda. Serait-il possible que... Oh là là, le scénario de ce jeu est vraiment incroyable quand même. Ils font parler un cornèbre. Ils ont cru que c'était un pijaco. Attendez, c'est par là ? Ouais, je crois que c'est par là. Pas du tout, là, il y a un objet. On ne bouge plus ! Oh non, mais j'allais aller, mais je voulais aller, voilà, moi. On ne va pas te laisser fouiller partout comme ça. La fierté de la Team Rocket ne la laisserait pas faire. Ta force est bien réelle, mais il n'y a aucune chance contre nous. Désolé, mais ton voyage s'arrête là. Je suis pété, pas un geste, 2 contre 1, c'est un combat inégal. Vous êtes bien indigne, machin, de mes couilles, de je sais pas quoi. Allez, on va vous éclater. Alors du coup, quoi? T'avais un complice, il me paraît. Mais c'est l'honneur, mais Giovanni, mais montré, mais la Team Rocket. Mike, mais c'est exprès que toutes les femmes ont des noms d'hommes et vice-versa? Alors... Cotovol et Boustiflore contre Grolem. Il a Grolem niveau 60. Niveau 60. Ah ouais, normal quoi. Niveau 60 le Grolem. Oh bah d'accord, mais non, mais il va faire un carnage en fait. Alors, par contre, j'espère qu'il a pas genre séisme. Parce que alors là, par contre, je vous avoue que je vais mal le prendre. D'ailleurs, je vous avoue qu'en vrai, ça me fait peur. Ouais, non, mais attendez, on va pas prendre de risque. Hein. On va rester, hein, parce que de toute façon, au pire du pire, c'est mon moins bon Pokémon. Oh Vortex Magma, quand au vol, non mais c'est bon, nul, c'est... Non mais... mais Vortex Magma, quand au vol, moi, mais comment je suis censé prédire ça, moi aussi? On va dire, ouais, Stéphane, en plus, c'est ce que je voulais faire de base. Fais chier, ça manque. Non, Anaïs! Pardon, bon, allez, on s'arrête. Bon, on a perdu un Pokémon, c'est vraiment dommage. Mais arrête de spammer Vortex Magma, toi, c'est pas possible ce Pokémon, là. Arrête ça. Toi, il va faire Vortex Magma sur tous mes Poké. Bulldog Grolem, mais c'est quoi son Grolem nul? Il est niveau 60, mais il sait rien faire. D'accord, mais il a éclaté Boustiflore niveau 27. Putain. Il n'y a rien compris à ce jeu, moi. Bon allez, détruis-moi ce Cotovol, là, il commence à me saouler, là, il vient de tuer Anaïs. Putain, pas possible ça. Ouais, je suis en train de prendre des dégâts dans tous les sens, ça ne va plus. Galard, il prend des dégâts, Charpedo, Charpedé, Charpedé. Allez, viens là, toi. Aura sphère dans ton pif, là. Aquajet. Mais arrêtez de me spammer, là, spammer sur l'autre. Quoi? Non, coup critique, non. Non, 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 c'est pas légal, ça. C'est pas légal, je vais mourir de... Non, 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 attendez, mais ça se fait pas, non. Non, 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 arrêtez. Arrêtez. Arrêtez ça. Non, non, dites-moi que je rêvais... Putain, mais si j'avais tué Cotovol, vas-y, je vais... Mais je vais mourir du Vortex Magma, là, putain de merde. Non. Dis-moi que ça marche pas. Dis-moi que ça marche pas. Putain. Mais ça se fait pas, là aussi, l'autre, il a crit et il m'a focus. Mais... Mais c'est pas possible enfin! Arrêtez ça!
Ouais. Non mais tout va bien. C'est quoi ces gens? Ils sont devenus fous en fait. Putain, on a perdu deux poké là, rien ne va plus. Mais cette expérience et que les ondes étaient concluantes, ce repère, machin. Oui ta gueule, je m'en fous là, casse-toi. Putain, j'ai perdu tous mes poké. Bon, on va faire un truc. On va faire une pause. Bon, je vous propose quelque chose. Je vous dis on fait l'arène et tout, mais en fait non, on peut pas. On peut pas parce que du coup il nous reste deux Pokémon qui sont certes très haut niveau et très forts, mais ça me paraît un peu dangereux. Ce que je vous propose, on va encore tricher, j'aime bien, en plus ou moins, c'est que cette zone, la zone d'Akajou, on peut pas la faire parce qu'il y a pas de, il y a pas d'herbe. Mais ce que je vous propose, c'est qu'à la place, eh ben, on la remplace cette zone par celle-ci. On va doubler cette zone en fait concrètement à la place. Donc on va voir ce qu'on va avoir. J'espère qu'on va avoir un truc bien parce que j'ai envie d'un Pokémon fort. Ah, alors, ok, attendez. Alors, ça c'est drôle, mais c'est très drôle, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est le Raikou de la zone, vous savez, niveau 40. On va quand même lui balancer une boule, mais vous savez, ça marche pas parce qu'il va fuir en fait. Je tente une boule parce qu'on sait jamais si je l'ai, mais. Mais je pense que ça va pas. Voilà, il va. Voilà, regardez, là il va s'enfuir. Il va même pas m'attaquer, il va s'enfuir direct, voilà. Donc ça ne compte pas, hein, évidemment. Pompot is back. Motherfuck. Ok, Pompot, il faut l'attraper. Il faut tout de suite attraper ce Pokémon. J'ai pas énormément de balles, alors j'espère que je vais l'avoir. C'est Pompot, c'est pas dur à attraper, Pompot. C'est de la merde. Pompot, mon amour. Viens, viens à moi. Viens à moi, mon ami. Non, j'ai dit viens à moi, bordel. Mur lumière. Je veux Pompot, tout de suite. Je veux tout de suite ce Pompot dans mon équipe. Attends, on accélère. On accélère, on fait les fous. Pompot, viens là, putain. Mon dieu. Pompot. Comment on l'appelle? Attendez, si on l'attrape, comment on l'appelle? Oh, et imaginez, ça se trouve, ça va être Pompot avec une meilleure nature. Oh là là là, mais rien ne va plus dans ce jeu, on triche dans tous les sens. Attendez, on accélère parce que c'est long et flippant. Pompot, attendez. Ah, par contre, j'espère qu'il a bien Coloforce encore, hein. J'espère que c'est pas une douille encore. Bon, on va accélérer à fond parce qu'il est chiant. Mais rentre! Putain! Yes! Bon! Merde, je clique au mauvais endroit, ça risque pas de marcher. Casse-toi, toi. Pomme. Pote. Pompot 2. Pompot 2, nick. Alors, Pompot 2. Non! 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 Il a un corps ardent. Cette série, c'est des retournements d'émotions, là.